Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve pour la troisième partie sur Mafia 3. Donc on s'était arrêté dans l'église et du coup là on est reparti. On est chaud, on est au taquet, on y va. Montez dans la voiture, oui. Ah oui, c'est vrai, il faut appuyer sur 3. Faut rester appuyé, j'ai oublié. Non, on coupe. T'en fais pas pour lui. Ça me ferait chier de me prendre dans la gueule cette connerie de culpabilité. C'est moi ou la voiture, elle a du mal à démarrer? Au courant de toutes les saloperies que j'ai pu faire dans ma putain de vie. Et il a jamais bavé. Si je dis qu'on peut lui faire confiance, c'est qu'on peut lui faire confiance. Ça me va. Bon, ça te ferait chier de me dire ce qu'on fout vraiment? On va buter Marcano et tous les salopards qui bossent pour lui. C'est des conneries. C'est quoi ces délires? Pourquoi parfois la voiture? Où est-ce que tu vas? Tu sais bien que j'aime pas de... Pas s'occuper du kipo, non? Désolé, on peut pas monter. Ah si, on peut monter par là. Si je monte par là, est-ce que... Non, bah ouais, ça va. Qu'est-ce que je disais? Ah bah enfin, vas-y, elle a du mal. Si c'est tout ce que tu voulais, tu choperais un XM21 et tu te tartinerais de peinture de camouflage et tous ces connards seraient refroidis avant le dîner. T'aurais carrément pas besoin d'un centre tactique et de toutes ces autres merdes que tu... Le pécho, il y a les flics derrière. À mon tour, Marcano m'a offert des raies sur un plateau. Le vieux Samy a fait son temps, qu'il m'a dit. J'ai refusé. Je vais essayer. Je sens que c'est voilà. Ta faute. Les faits sont là. Qu'est-ce que tu croyais que ça allait faire? Juste pour vous dire que la première vidéo qui est sortie sur Mafia, vidéo découverte, il y avait une musique où je pouvais pas en fait parce que bah, c'était la musique du jeu. J'ai réussi à prendre un droit d'auteur quand même et je suis pour rien. J'ai envie de vous dire, donc même si vous mettez des droits d'auteur, ça vient pas de la radio, c'est la musique du jeu, donc je voilà. Soit faut que j'enlève ça dans les commentaires, dans les paramètres, je sais pas. Mais voilà, bref, je suis pour rien si les droits d'auteur. La musique du jeu, même si c'est pas la radio de... Ça se passe toujours comme ça. La radio de la voiture. Après moi je suis pour rien, donc autre chose. Ça vous sert à rien du tout, mais des droits d'auteur, on est pour rien après, voilà, c'est le jeu. Faut pas faire trop, hein. C'est ce que je me suis toujours dit. Sinon je coupe le volume du... Si les flics te voient taper du jeu, mais comme ça vous entendez personne. Et ça me saoule de mettre les sous-titres. Si c'est pour jouer, je sens les sous-titres, ça fait chier. Voilà, par exemple là. Hop, ça a remis les musiques, j'ai coupé. Quoi, t'as un blé? Ah, mais ça, il faut tourner. Doucement, 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 freine, freine. Quand je vous dis, elle est longue à freiner. Hop là. Elle est longue à freiner, elle est longue à repartir. Hein. Oh, je vais te faire chier. Cool. Bon, allez. Ils ont dû sortir des Formule 1 ici, hein. Non, c'est déconne. Bon, oui, je sais qu'on est bien dans. Une ancienne époque, donc Tu veux que je revienne te chercher? Non, mec, c'est bon. Je retourne au motel. Passe me voir quand tu seras prêt. Et voilà, petit dérapage. Allez, c'est bon, tu vas détendre. T'es sans chance de remettre la musique. Bonjour, je fais juste passer dans les chutes. Oh putain, ça crame ici. Tu parles de votre matériel. Ah. Il se passe quelque chose déjà louche. Ça commence bien déjà. Bienvenue à la maison, mon fils. C'est Pierre, on voit que d'elle. Et maintenant, qui veut se payer une bonne vierge? Non, ils font voir en fait. Arrête tes conneries. Sa caisse, c'est un monstre. Ouais, mais c'est chiant parce qu'on... Faut qu'on avance dans le monde. Je veux que ce soit toi qui te rappellerais. Et ils veulent tuer. Une balle. Voilà, c'était logique. Et bah c'est bon, là il est mort, en tout cas. Tu me tues comme ça, il est mort. Ah, je sais pas s'il faut descendre. Ok, déjà là, je peux plus avancer. A l'aide! Sans demandeur! Ouah, s'il faut descendre, ça va être chaud là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va tomber sur le grand méchant loup. Non, je déconne. Ça va con quand même. Très con.
Je pense toujours que c'est une mauvaise idée. Le Vietnam, c'est une vraie boucherie. Je dois le faire, c'est tout. Je t'ai déjà dit comment j'avais eu ça. Ouais, tu l'as volé? Non, je savais pas. C'est ça. Directement de la poche de ce vieux blanc qui venait tout le temps nous faire chier. Prends-la avec toi. Ça m'a toujours porté bonheur. Je peux pas faire ça. Je sais que tu te crois seul au monde, Lincoln. Mais c'est faux. Tu seras jamais seul. On va recommencer les petits passages, parce que ça va être encore long. Je sais trop bien, mais bon, je suis pour rien, les amis. C'est bon, on va encore galérer à faire cette... passage. Vas-y, ça va vite, hein. Ouais. Ah, on va aller au coffre. C'est la planque, le coffre, ouais. Ouais, celui-ci c'est débrouillé. Allez, dépêche-toi, ouvre-moi ça. Ouais, genre, ils auraient pu faire voir, il y avait quoi dans le coffre. Oh, Playboy. Genre, mais il va prendre toutes les photos avec lui ou quoi. Il va arrêter un peu quand même. Allez, on va remonter à l'étage. Ok, c'est pas par là. Rasseille encore. C'est par là. Mais non, mais pourquoi tu te mets à couvert, toi, t'es bête. Comment t'as fait vite pour te raser? Si, c'est bien rasé, en principe. Bonjour. Mais maintenant, faut aller en face. Et saute. Bonjour. On y va, dépêche-toi. Yo! Ah, on est bientôt arrivé en plus, c'est pas loin, ça va. Ah, là, on peut rentrer dans ces magasins. C'est bien, il y a des magasins qu'on peut rentrer. On a retrouvé la voiture de Barbie. Merde, con, j'y tiens. T'as fait exprès? C'est l'habitude de GTA de courir en même temps. J'ai pas fait exprès, c'est bon, arrêtez. C'est ma faute que les touches, c'est pas pareil. Bonjour! Elle arrive comme ça, je monte les marches un peu bizarrement. C'est un vrai poste de commandement ici, dis donc. La clé pour pouvoir réussir une bonne opération clandestine, c'est le déni plausible. C'est pour ça que je me suis permis de voler tout ce matos au FBI. Si ça tourne mal, ce sera à eux de gérer les retombées. Toujours fidèle à toi-même, c'est bien. S'il y a bien une chose que je sais faire, c'est emmerder Hoover et sa brigade de gonzesses. Pendant que tu récupérais, j'ai fait quelques petites recherches. Je voulais voir s'il y avait un autre moyen de recruter des ressources. On va écouter un peu. Je suis arrivé à 3 possibilités. Pour l'instant, ma priorité, c'est de me débarrasser de celui qui contrôle Delray. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Les Haïtiens? Je croyais qu'ils étaient tombés quand j'ai refroidi Baka. Heureusement pour nous, ils sont de retour. Et il semblerait que ça leur plaise pas trop que ça, les données Delray au Dixie. Quoi, Dixie? C'était l'idée de Georgie. Il les laisse gérer l'héroïne en essayant de rendre tout le monde accro. Putain, foiré. Plutôt crever que de laisser ces connards bousiller tout ce que Samy a construit. Qui a remplacé Baka? Inconnu. Il a réussi à garder le secret sur son identité. Inconnu? Même pour John Donovan? Ça, c'est une première. Eh, j'y peux rien, moi, si je suis né blanc comme un cul. Bon camp. Né blanc comme un cul. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors... Oh putain, maintenant, il faut aller là-bas. Merde, mais putain! Putain, mais c'est vrai, j'ai l'habitude de courir sur GTA. Voiture détruite. Putain, y'avait pas une voiture bien ici? Ah là, en fait, c'est ça pour courir. Ouais, j'ai cassé le carreau, youpi! Les témoins sont des civils. Ouais, bah je m'en rends. Putain, elle a appelé les flics, la vieille. La vieille ou une personne, hein. Non, j'ai pas volé, j'ai emprunté. J'ai des témoins en façon. Oh, la voiture pour partir à vacances. Je comprends, j'ai des témoins, vous avez tous vu. Donc, merci de répondre dans les commentaires, vous êtes bien témoins. J'ai pas volé la voiture, j'ai juste emprunté, c'est pas pareil. Lui, je l'ai pas écrasé, il a juste tombé dans les pommes. Oh, on va s'asseoir, youpi. Voilà. Je suis innocent, je m'assois. J'ai rien fait, je vous ai dit. Il paraît qu'ils vont rapatrier James Earl Ray cette semaine.
Ça me fait marrer qu'ils espèrent nous faire croire. Oh, la voiture est longue là-bas. Le corps est toujours là. En fait, Jason, il dégueule la voiture, mais il laisse le corps là. C'est ce qui m'inquiète. Attendez. Qui a tiré sur le docteur King, oui. Lui et personne d'autre. Et si c'était aussi simple que ça d'abattre de grands hommes comme le docteur King. C'est eux là qui se parlent. Le président Kennedy avec comme X. Rien ne changera de monde dans ce pays. Il y a un truc rouge qui arrive, voiture. Oh, dis, comment il roule déjà? Un type se pointe et prend tout d'un coup comme ça. Ouais, par contre, il a la plan. Je crois qu'il est foncé dans le mur. Ok, à mon avis, il faut y aller. Putain. Allez à l'intérieur. Et la porte va se fermer en même temps. Ouais, déjà, on va se battre. Ça, c'est cool. C'est un truc que je kiffe en fait sur Mafia, c'est de battre. Si je suis tombé ça là où ça les écrase. Hein? Devrais pas être là. Tu m'auras pas. Je te vois. Viens pas, je t'écrase. Égorgé. On veut tous que les sudistes dégagent de terre. Ah, même pas. Ton boss et je ferai en sorte que ça arrive. Putain, merde. Va à la boutique Vaudou. Le patron se trouve là. Désolé pour ton mal de crâne, frère. Par contre, je peux laisser ça comme ça. Hein. C'est vrai ? Moi aussi j'ai entendu un truc qui me plaisait pas. Que maintenant il me plaît beaucoup. Je tente ou je tente pas ? C'est vrai ? Toi non plus t'étais bien, pas le bien pourvenu. Ah, tu te sens moins bien là, je crois. Est-ce qu'on peut le détruire? Ah oui. D'accord, tout ça pour faire ça. Moi, je pensais qu'on pouvait faire ça. Eh oui, de toute façon, c'était possible, on aurait pu les écraser. Attendez, je veux juste faire un truc. On va dire, c'était un... Voilà, on l'a poussé, je sais pas, on va inventer... Oui, il y a une porte par la façon. Hop. Est-ce qu'on peut le jeter de là ou pas? Non, bon, c'est pas grave. On dirait que t'étais bourré. Ok, ça rentre par là, ça nous intéresse pas. Je peux pas sauter? Ouais, oh, c'est abusé. L'autre il est un peu allongé bizarrement. Hop là. Aïe! Genre, juste en fonçant dans la caisse, tu te fais mal. J'ai coupé. Pas droit de hauteur. Merci. Non, je change pas la radio, je m'en fous. Je sais pas si on peut... Déjà, c'est dommage qu'on peut pas allumer les phares. Moi, je me garde comme une coche. Trouver un moyen d'entrer. Voilà, comment trouver un moyen pour entrer, c'est fait. Hey, ouh, c'est un truc de voodoo. Quoi, mais il y a personne qui parle. Fouiller le cœur de... Putain, faut fouiller en plus. J'espère qu'il y a personne dans les chutes. Bonjour. Ah, déjà, c'était le garage. On sait être là-haut. On va juste sortir le pont directement. Ah, on va attendre sur le canapé, c'est cool. Salut, moi c'est Robert, je vous attends. Un peu vite la journée quand même. Hein. Chez eux. Ah, du coup, c'est elle.
Café. Sympa la petite histoire que tu m'as racontée chez les Haïtiens, comme quoi Baka t'avait séquestré. Et on m'a dit que tu étais mort. On est tous les deux. Non, je veux bien, je le. On dirait bien. Ça va mal finir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Lincoln Clay? Je veux que tu m'aides à tuer Sal Marcano. Je vois. Il y a pas longtemps, c'est moi que tu essayais de tuer. Et là, tu te pointes à la police et tu veux ma confiance? Maintenant que Marcano soutient les Dixie, c'est qu'une question de temps avant qu'il tombe dessus. Et à ce moment-là, bah, allez, déjà, faisons. Désolé, mais. Tu parles trop. Allez, salut. Alors. Ouais, c'est cool, le camion il se ouvre, c'est parti comme ça. C'est quoi ce camion? Oui. Un marchand d'armes. Oh, on peut acheter des armes qu'on veut. Oh, waouh, je peux l'acheter? Non, je pense qu'on peut. Ok, on va juste. Bon, le def, là on en a pas. Je fais gaffe à mes thunes, moi j'achète n'importe quoi en fait. Et ça, on a rien. Ok. Oui, on sait, 5 amounts d'armes. Il s'est passé quoi avec le magasin? Le gouvernement va plus fermer. Ils veulent pas que les nègres. D'accord, maintenant faut partir. Ouais, je reprends la même voiture. Hein. Attendez. Ah, j'ai pas les armes de Taylor. Bref, ça va. On s'en fout maintenant, ouais. Parler à la. Ok, il fallait. Moi aussi, j'ai collectionné. Voilà, bref, ça avance plus. On va laisser ça comme ça. On va finir à pied. Super. Ah, puis maintenant il pleut, genre t'as vu l'œil. Hein? Y'a pas un truc bizarre quand même. Ouais, bref, j'ai pas trop compris. Comment on fait pour rentrer dedans? Par derrière. Ah là, faut les outils. Ça me fait plaisir de te voir. Lavo. Bonjour. Ça faisait longtemps. Je m'attendais pas à te voir travailler avec les Haïtiens. C'est ça, ou s'incliner devant ces sales trous du cul de sudistes. Et tu sais bien que c'est pas mon genre de faire la révérence. C'est lui qui fait la radio. Ouais, mec, t'arrêteras les droits d'auteur, s'il te plaît, t'arrêteras tes métamiliques. Connard de merde Jackson qui est aux commandes. Il a transformé l'établissement en bordel et il laisse les bons faire ce qu'ils veulent à nos sœurs. Comment je le retrouve? Non, c'est pas ça. Pas encore. La plupart de ces bah oui, de Dixie faut que je le retrouve bien sûr, donc c'est le but. Ils ont peur qu'on leur colle une balle dans le cul. Si je frappe ces opérations, oh oui. Il faudra bien qu'ils se montrent. Maintenant c'est normal, ça fait peur de prendre une balle dans le cul. Ça tu l'as dit, mec. Ils gardent des filles au deuxième. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Ah non, maintenant on vient les. On va regarder. Sentir. C'est pur sang, il les appelle. Il les dope avec tout un tas de merde. Et lui rapporte un max. Rentre en douce et sors-les de là. Je te tiens au courant dès que j'en ai terminé. M'a fait de la peine d'apprendre pour Sani et Lys. Ils ont toujours été réglo avec moi. Voilà. Merci, mec. Oh, il faut libérer les filles. Allez, c'est parti. Ok, d'accord, par contre quand tu vois la fille c'est des petites mamies. Il faut aller en face. Tant qu'à faire, il y a un bateau, on va y aller en bateau. Non, on coupe la musique. Oh putain, c'est quoi un conduire? Eh, elle s'était pas coupée. Oh oui, putain, c'est un bateau qui avance pas ça. Même ma grand-mère en vélo elle avance plus vite. D'accord, tu fonces là-dedans, t'as mal. Mais non. Je cherche un quai en fait, mais il n'y a pas de quai. Oh, putain, j'arrive pas du bon sens en fait. Et arrête de te taper toi. Oh, trop beau, classe. Par contre, je cherche un moyen maintenant, c'est pour me casser l'œil et aller en face. Merde, c'est le flotte aussi.
Bonjour. Il y a un truc là, il faut le prendre. Le faire. Il faut appuyer sur le bouton pour ouvrir une porte, faut arrêter. Bon, c'est bien fait quand même, j'ai pas le contraire. On va te faire casser. Ouais, on a une remorque, mais on a pas de camion. Allez, là, on a un camion. Est-ce qu'on peut le prendre? Eh ouais, je suis le routier. Allez, c'est parti. Go. Par contre, il faut faire demi-tour, il faut aller le coder. C'est chiant avec leur musique. On va pas enlever les remorques en fait. Ah, la petite mamie elle a eu peur, elle a traversé, elle a fait oh je vais pas m'écraser, je me casse. Fais gaffe toi avec ta panto, le dégage. Coccinine. Casse-toi. Manque pas de respect, je t'écrase. Ne laissez pas traîner les amis, on y va. C'est parti, attention, oui. Le feu est passé dans la caméra. La prochaine à gauche. Désolé, j'ai pas de clignotant. Et puis comme il est loin, freiner aussi, bah voilà, bah voilà. Je suis pas en pull de poids lourd, je sais. Oh, genre, ils ont foutu le camion juste devant moi. Là je suis en pilote de poids lourd quand même, je me suis bien garé. Ah, juste faire le plan. J'ai envie d'acheter ça. Verrouille, connard. Ou putain, par contre la danse, c'est que le bordel est dans le cabaret. Bonjour. Les filles sont à l'étage, mais attention, les hommes de merde sont partout. Merci pour le tuyau. Ça sert à rien, je voulais tuer, c'est. T'inquiète pas pour ça. Hop là, j'ai piqué le tableau. Ah, y'en a un qui se l'est coincé. Y'a qui a pas joué avec Popol. Lui déjà, on va le tuer. Oui. Oh. Oui, oh, il a eu mal le dos. J'en prends des sous. Ah. Ouais, je danse, là, je danse, je danse, je danse. Hop là, je me suis les pieds. Mais non, on tire pas, tu fais peur aux gens. Oui. Mais vous avez pas crevé. C'est bon, tout le monde scam ou. Ou je rajoute une couche là. Eh, on dit bonsoir s'il vous plaît. Qu'on est poli. T'as plus de balles. Et voilà, bat de baseball. Home run. Putain, il y a même du fric dans les chiottes. Ok, la danse est fermée, il y a un con qui s'est enfermé dans les chiottes. Enfin, je sais même pas où il faut aller, il cherche les gens, mais. Eh putain. De toute façon, pas, ils seraient. Je fais pas de bruit, alors regardez, je passe tranquillement, je me fais tirer dessus. Ouais, tant qu'ils tirent, ouais. Ah, ils sont là, les filles, ils sont par là. On va dire bonjour. D'accord, ils sont là. Range l'arme. Bonjour. Mon Dieu. Somme de tel. Sortant d'ici, va trouver Cassandra au cœur transpercé. Elle t'aidera. Vas-y, lève-toi, ma petite. Quoi? Bonjour, somme de tel. Yeah. Oh putain, le truc est petit. Ah. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tomber sur un mec derrière la porte. Toute femme dans le besoin peut se rendre à la boutique le cœur transpercé. Merci. Beaucoup. Vas-y, pars. Non mais je veux pas te faire un câlin, je veux juste voir l'arme qui est derrière. Allez.
Ouais. Mais je sais pas pourquoi je le sens pas. Mais... Voilà. Tu l'as tué. Tu devrais tous. Ouais, il faut mieux. Tous. Jusqu'au dernier. Sors de là. C'est juste qu'il fait nuit, c'est rien. T'inquiète pas, il est pas mort. Voilà, regarde. Yep, je l'ai couché sur le lit. Un peu buggé, mais ça passe quand même. Ça fait l'affaire. On dirait qu'il s'est fait mal. Hop, là on récupère la thune, bien sûr. On va aller voir la chambre en face. Je vous ai dit, je sais pas pourquoi la dernière chambre, je sens pas, il y a un mec dedans. Là c'est de bon. Une porte. Qui ramène la don, mais il n'y a plus personne. Attends, il y a des billes. Descends pas toi. Oh là, il fait des conneries, On récupère les sous, bien sûr. Je sais pas si ça va finir pour ma tronche ou pas, mais je récupère les thunes. Bonjour. Hein? Un blanc a toujours à faire des premiers. Ouais. Eh, en scan. Non, ils m'ont tué. Ouais. Enfoiré, ils m'ont tué. Non. En même temps, je les ai pas vus en fait. J'ai dû sortir de pompe. J'ai réussi à faire les pompes. Comme moi, j'ai vu Zara démonter tout un par un. Mais j'ai pas pensé à sortir le pont. C'est après que j'ai fait. Ah, il y a le pompe. J'ai dû sortir le pompe, merde. Tu fais mal ton boulot. Faut que je recommence. De toute logique. Mais bon, comme on va attendre un peu. Ok, ah du coup en plus on recommence nous, mais ils sont pas embêtés hein. Donc c'est parti, on y va. Et là je vais tous les démonter. Hop là. Ah bien, il y a une autre porte. Excuse-moi, mais toi tu vas laisser la madame. Merde, con, je l'ai tapé. Et sors pas avec les seringues, toi, tu vas être malade. Mais lui, t'as mon voulu porte. Merde, merde. Tu peux sortir avec les seins en l'air, madame. Laisse-le. Il faut qu'on s'en aille. On doit partir d'ici. Oui. Le mec, il a fait un bruit bizarre, il s'est levé. Je vais pas récupérer tous les sous. C'est moi qui danse, tac tac. Toi, je te laisse tranquille, tu m'as rien fait, je pique juste tes thunes. T'as trop travaillé ce soir. Ouais. C'est moi qui danse, ouais. Ah, le monsieur se sent beaucoup moins bien. On va laisser tranquille, leader. Putain, en plus, faut que je monte. Ah, toi aussi, tu vois. T'as mal beaucoup, là. Je suis dans ton cul. Allez, attendez, hop. Mais que je tire pas sur les femmes, moi. Ouah, wow, tu viens d'où, toi? Je crois que t'es tombé, toi. Allez, batte de baseball. Ouais, tu me traites de salope. Mais. Oh l'autre, il a fait un. Le mec, il a fait un 3-6. Je sais pas quoi là. Hop là, toi, tu fais dodo. C'est à toi. Bim. Je suis un peu loin des chambres, je crois. Non, il faut ressortir. Bah oui, il faut que je m'en sers. Parce que maintenant, il faut que je prenne la défense.
T'as un blême toi maintenant, mais toi, mais on dit bonjour quand on est poli déjà. T'as en fait, j'avais pas besoin de rentrer. C'est pas grave, on va fouiller. Oh non, de toute façon, les chambres ça sert à rien, il y a plus personne dans les chambres. Oh, il faut les ouvrir quand même les chambres. Et un con, j'aurais pu le faire. Je regarde quand même au cas où il y a du monde dans les chambres, mais je pense qu'il faut pas le refaire. Oh, il y a plus personne, donc c'est ça. Hein. Bonjour. C'est le mec qui travaille chez EDF. Par contre, j'aurais bien voulu me casser en fait. Putain, je peux pas sortir par là, faut que je remonte et je redescends de côté, mais c'est abusé, sérieux. En même temps, pourquoi je suis rentré, en fait, je suis idiot. Pas grave, je sais faire un petit ménage. Et tout va bien. Hop, on descend. Ah, ça fait mal. Je comprends, je confirme, ça fait mal. Bah, mais tout. Ah, oui, d'accord, elle est longue. Bon, il reste encore du monde. Attendez, on va pas se faire chier. Il y a le salon des voitures ici. Ouais, on va prendre ça là. Le salaud des autos, on va le faire. Non, on se tait, pas de musique. Pas de musique, je t'ai dit. Je comprends rien, sérieux. On va juste rejoindre la personne, puis ça va être bon pour la troisième partie. Ça va faire trop grande vidéo. En tout. Oh, il était bien négocié ce virage là. Très bien, très bien, très bien. J'ai droit à une bonne note. Désolé, c'était pas prévu, mais je vois qu'il y a des mecs bizarres là-bas. Pour moi, ils sont en train d'embêter la dame, donc on va les embêter. Hop, je t'ai remonté la gorge. Et toi, tu t'es. Et tu laisses la dame tranquille. Désolé. Je suis un mec de la mafia, je suis obligé. C'est juste qu'on n'embête pas la dame comme ça. Ils ont même pas eu de temps de brancher, de toute façon. L'autre, je l'ai refait la gorge. Moi aussi j'ai klaxonné. T'arrêtes pas comme ça, on le met la route. Attention. Voilà. Et on commence. D'accord. Ah, je voulais bien me garer et je le fais mal quand même. Je suis méchant. Bonjour, je cherche l'entrée. Voilà, c'est mon nom. Comme tu passes tes journées à cavaler, je me suis dit que ça te faciliterait la vie. Tu peux te servir de ça pour appeler des renforts. Moi qui te prenais pour un pauvre égoïste. On en reparle. On appelle ça un téléphone. Au fait, Miss Lancaster est déjà au parfum et prête à y aller. Parler à la voix, machin. On va aller juste rejoindre le mec là-bas, puis du coup, après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas une vidéo trop longue non plus. Parce qu'après, ça va être une vidéo trop longue et tout. Bah putain, je veux pas aller assez loin, je veux ressortir. Comment on sort de cette pièce, s'il te plaît? C'est par là. Putain, méchant de sortie qui font pas la danse dans cette tête de la double. Oui, non, mais c'est vrai, je savais qu'on pouvait choisir les armes. Non, mais je sais ça. Oui? Mais ça, je sais, je connais. Hein. J'ai vu au début de la vidéo, vous inquiétez pas. Hein. Je m'en branle un peu pour l'instant. Est-ce que là, encore là, ma voiture, on l'a vu là. D'accord, ils ont enlevé ma voiture. Pfff. On va aller juste aller voir là-bas, puis on va s'arrêter dessus. Hop là. Non, tais-toi, c'est chiant. Je vais enlever, de toute façon, dans la prochaine vidéo, les paramètres du son. Parce que c'est un peu embêtant les musiques. Wow! Oui, c'est par là. C'est en bas sur les quais. Ah! Tocard! Voilà, à un moment je suis garé. J'ai un peu explosé la voiture, mais non, mais il remonte pas! Le mec il est super abruti. Merde. Chut, fais pas de bruit. On va juste parler avec lui, puis après on va s'arrêter là-dessus. S'ils ont envoyé sur une mission, on va s'arrêter. Lincoln, ça me fait plaisir. J'ai libéré ces femmes. Merci, toi aussi, ça me fait plaisir. Cet endroit est pas du tout, mais
Ça fait mal au cul de voir ce que ces crevures de Pecno sont en train de faire. Dès que je mets la main sur Jackson, j'en finis avec tout ça. Merle a envoyé des Macs dans tout Delray. Il veut rattraper la thune qu'il a perdue. Liquide-les, et il pointera son nez au club. D'accord. T'en auras fini avec eux, reviens. Je saurai si Merle s'est ramené au club. Il faut revenir, bah on verra ça de la prochaine fois. Alors. Tableau d'objectif. Trouver l'ennemi. Ok. On va sortir de là déjà. Ok, donc il faudra retrouver les mecs. Donc on va s'arrêter là-dessus. Et on va se retrouver pour la prochaine vidéo qui va arriver dans pas longtemps. Donc j'espère que cette troisième partie vous a plu. Dites-moi-le dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite et salut tout le monde. Ciao ciao.